Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes lundi et c'est le premier jour du confinement. Alors, pourquoi pas vous faire tout simplement une vidéo de 50 questions tu préfères, les amis. Donc, c'est parti, je suis sur mon ordinateur juste ici, les amis. On va cliquer sur 50 questions tu préfères, les amis. Je vais peut-être pas faire toutes les questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Même 100, peut-être. Je sais pas combien il y en aura, les amis. Hop, hop. Alors, première chose. Attendez. Première chose. Plus de 100 questions. Je vais pas faire toutes les questions, hein, mais bon. Ah, mais je crois que je l'ai déjà fait. Ah oui, oui, oui. Tu préfères nager 300 mètres à travers de la merde ou bien des cadavres? Mec, je ne réponds pas à cette question, même si c'est un tu préfères. Bon. Tu préfères avoir un chien avec une personnalité de chat? Ou un chat avec une personnalité de chien. Mais mec, pourquoi pas un chien avec une personnalité de chat, mec? Non, un chien. Ensuite, si tu renaissais dans une nouvelle vie, tu préfères être vivant dans le passé ou dans le futur? Moi, personnellement, dans le passé, dans la logique. Tu préfères ne pas manger de bonbons à Halloween ou de foie gras à Noël? What the fuck, man? Bah, de foie gras à Noël. Tu préfères perdre la capacité de mentir ou croire que tout ce qu'on te dit? Mec, préfères perdre la capacité de mentir? Tu préfères perdre la capacité de mentir? Ou. Tu préfères. Là, je vais pas. Tu préfères être libre ou en sécurité? Bah, libre, gros. Tu préfères manger de. Ah non. Tu préfères manger de la merde qui a le goût du chocolat ou du chocolat qui a le goût de merde? Oh, je vais pas répondre à cette question, tu vois. Tu préfères paraître 10 ans plus vieux, du coup vers le haut ou du coup vers le bas, mec? Mec, c'est quoi, mec? Tu préfères avoir 3 enfants et pas d'argent ou pas d'enfants avec 3 millions d'euros? J'ai pas compris. Tu préfères être la personne la plus drôle ou la plus intelligente de la pièce? Je vais pas te mentir, la personne la plus drôle. Tu préfères avoir une Lamborghini dans ton garage ou une bibliothèque avec 9000 livres et une connaissance infinie? Mais c'est quoi ça, gros? Tu préfères gagner 50 000 euros ou laisser ton meilleur ami gagner 500 000 euros? Mais mec, 50 000 euros, c'est quoi ça? Tu préfères courir 100 km/h ou voler à 10 km/h? Mais tu peux pas voler, mec. Tu peux pas voler déjà. Courir à 100 km/h. Tu préfères continuer ta vie ou la redémarrer? Bah, la continuer, mec. C'est quoi ça? Tu préfères être capable de parler pour te sortir n'importe quelle situation ou de te donner un chemin de n'importe quelle situation? Tu préfères avoir le wifi gratuit ou que tu ailles ou un café gratuit ou et quand tu veux? Bah, wifi gratuit. Tu préfères avoir 7 doigts sur chaque main ou 7 orteils sur chaque pied? Bah, sur les mains. Tu préfères gouverner le monde ou vivre dans un monde sans aucun problème? Mais moi je vais gouverner le monde. Tu préfères dire ce que tu penses ou ne plus jamais parler? Dire ce que je pense. Tu préfères vivre la vie d'un roi sans famille ni. Tu préfères savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas. Non, jamais en fait. Je.
Ouais, ça serait. Tu préfères parler toutes les langues ou être capable de parler à tous les animaux? Mec, parler aux animaux, ça sert à rien parce qu'ils comprennent rien de toute façon. Donc, toutes les langues. Faire mentir à chaque fois ou toujours savoir que quelqu'un ment. Savoir que quelqu'un ment. Tu préfères manger ton ami. Oh là là là. Hein? Non, rien. J'ai entendu, hein. Ah non, rien, t'inquiète. Tu préfères avoir 1 milliard d'euros à ton nom ou dépenser 1 000 euros pour chaque personne affamée sans abri? Mais mec, c'est quoi ces questions? Tu préfères mettre fin à la faim ou mettre fin à ta faim? Tu préfères vivre dans un parc d'attractions ou dans un zoo? Moi personnellement, dans un parc d'attractions, non. Non, je sais pas en fait. Tu préfères lire dans les pensées ou prédire l'avenir avec précision? Bah, lire dans les pensées. Tu préfères manger que la pizza pendant 1 an ou ne pas en manger pendant 1 an? Mais la pizza, c'est dégueulasse. C'est un goût dégueulasse dans la pizza, donc ne pas en manger pendant 1 an. Tu préfères aller visiter 100 ans dans le passé ou 100 ans dans le futur? Dans le futur! Et c'est la fin, Clubiste, c'est pour une autre vidéo. Là, surtout, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pour ma part, on se dit à la prochaine! Tchuss!